Bonjour les amis. Attendez, il y a beaucoup de lumière. Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve enfin à Disney. On n'est pas prêt, hein. Mais genre vraiment on n'est pas prêt du tout. Je suis calme, je dis rien. Ah ouais, non mais là on n'est pas bien. Il fait trop beau, il fait un peu frais, très froid même. Je crois qu'émotionnellement parlant ça va être intense. Mais de dingue. Là en fait on est arrivé sur le parking, vous voyez. Là on est arrivé dans un parking pick-up. Et il faut prendre encore un truc là, faut prendre un monorail. Et le ferry qui nous emmène à Magic Kingdom. Voilà, donc on n'y est pas encore. Ouais, petite traversée quand même hein, pour rentrer dans le parc. Nous, il suffit juste de marcher. Ici il faut prendre un monorail, un ferry, un avion. Et après vous arrivez sur le parc. Donc là on doit retirer nos billets et ensuite on va créer nos Magic Bands. Et ensuite on pourra enfin mettre nos pieds dans le monde magique. C'est parti. Ça y est les toons, on a retiré nos tickets. On va aller à Disney World. Regardez, j'ai pris le Magic Band. Alors c'est très simple, en fait c'est un petit bracelet connecté qui vous permet d'avoir réservation, fast-pass et carte bleue sur votre ticket, voilà, de réservation, vous avez tout dedans. Et ça c'est la même chose mais avec en carte. C'est ça. Mais c'est le même principe mais sauf qu'il faut sortir la carte. Voilà, donc là nous allons au monorail de Magic Kingdom. Arrivé les toons. Non, mais c'est trop. Hey, vous savez, quand j'ai vu dans le monorail le château de loin, j'ai eu larmes à l'œil, genre j'étais trop mal. On va chialer comme des merdes. Ça va être dur. Hein. Attends, mais je me sens là. Oh là là. Dans quelques secondes là, on est là. Rentre. Mais juste là, on va rentrer. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je suis pas bien. Moi je suis bien, mais c'est juste que. J'ai trop d'émotions en fait là. Non, mais vous vous rendez pas compte, d'ici je lui ai eu comme tout. Oh. Magic Band. Salut, Kimchi. Hi. Hi, come on up. Like, what's this? Awesome, have a great day. Thank you. Oh là 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 là, c'est indescriptible, regardez ça. Look at that. Look at that. Première mission de la journée. On est là. Alors premier truc que je vais faire, je vais m'acheter le casque là. On a vu plein de merchandising qui nous intéresse beaucoup trop. Avec les oreilles de Mickey à l'ancienne là. Je le veux taré. Tout de suite. Regardez cette vue les toons, il fait beau et tout. Oh non mais en plus il fait trop. Il fait beau là, on a un soleil magnifique. Ouais, il fait trop beau. Alors, il fait pas chaud mais on s'en fout parce qu'il fait beau et puis. On a chaud au cœur. C'est ça l'important. Je suis sûr que j'ai. Oh là là. C'est parti. Oh là là. Tout est trop beau, je vais prendre 1500 photos aujourd'hui. 1500. Ça y est, on met nos pieds dedans. Oh, thank you. C'est notre première visite. Oh là là. Non, c'est très trop bien. Oh là là. Et je suis comme un gosse, c'est pas vrai. J'ai envie de faire des achats déjà. Des achats, toujours encore plus d'achats. Oui, alors n'oublions pas. Mais c'est marrant la conception, parce que comme je vais tout le temps à Disney c'est Paris, pas pareil, ouais. Je le connais par cœur et il y a des endroits qui sont au même endroit. Ouais. Des trucs où c'est presque la même chose. Oui, Emporium, c'est exactement le même emplacement. C'est le même emplacement, mais par exemple, bah, il y a des rails déjà. Ici, il y a des rails que nous n'avons pas du tout. Non, mais c'est ouf.
C'est différent un petit peu. Hein. Mais j'avoue que le nôtre est très beau aussi, hein. Il est sublime notre. Ah bah oui. Oh, mais regardez, la vitrine n'est pas du tout pareil. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je savais déjà ce que je vais faire. Je vais aller direct à Emporium et acheter quelque chose. Mais comment vous voulez vous contenir là? Oh my god. Non, mais j'ai peur de trop dépenser là. Oh, sortons de cette boutique satanique. Oh, on va aller faire quelques petites emplettes, si vous voulez bien. On va retourner quand même. Sait-on jamais. Alors, pour l'instant, le merchandising ressemble plutôt au nôtre. Il y a vraiment quelques petites différences. Moi, je cherche plutôt les vêtements, je vous avoue. Je vais surtout prendre beaucoup de vêtements. Je suis en train rêve. Je suis en train de putain. Vous voyez je pas, mais fou. J'ai les. C'est on humide. Devient fou. Je deviens. Alors, où est-ce qu'on pourrait acheter notre premier truc? Il est où le petit casque là pour la tête? Oui, il faut qu'on trouve ça. Oh, je vois. Scott, regardez comme elle est. Oh non, elle est trop belle. Oh, elle est toute. Regardez, il y a. Oh. On se balade dans la boutique, on tombe sur ça. Non mais regarde. Oh, non mais vous avez pas vu la réaction de Kevin? Je crois que je l'ai jamais vu comme ça. Il a fait. Combien c'est? C'est 20. Ah c'est cher quand même. C'est cher les gens. Mais bien, mais quoi? Regarde, c'est la. Regarde. Regarde la tiquette. Mais c'est magnifique. On tombe sur la boutique direct. On tombe sur quoi? Oswald. Putain, c'est magnifique, franchement. Non mais là, je vais dépenser combien? Je vais appeler ma banque, attendez, j'arrive. Alors ça y est, j'ai trouvé ce que j'avais envie d'acheter, c'est ça. Non, ça c'est magnifique, ça je suis désolé. Die. Ça c'est je veux. Non, mais regardez le nombre de casquettes qu'il y a, c'est incroyable. Elles sont trop belles. Du coup, je vais prendre ça, parce que je trouve ça trop cool. Et je vais me prendre le petit jersey, parce que je trouve ça encore plus cool. Oh, c'est rigolo, hein. Écoutez. Non, mais on regarde un petit peu ce qu'il y a à prendre, hein, parce que je pense qu'on va faire surtout la journée acheter des choses après. Mais c'est sympa. Bon, du coup, je me suis calmé, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est que la première boutique. On va tout acheter tout à l'heure. Ah, d'accord, ça déjà acheté. T'as acheté quoi? Je vous montre ça tout de suite. Waouh! C'est trop sympa. Et bien sûr, là, le truc pour la tête là. Yeah. Alors ouais, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Je voulais vous dire qu'on a un fast-pass à 11h20 pour l'attraction La Petite Sirène. Donc on va s'y rendre juste après. Et waouh, on voit le château là, ça y est. C'est fantastique, vraiment fantastique. C'est très 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 cool. A savoir que nous on va passer 3 jours Magic Kingdom. Aujourd'hui ça va être vraiment la seule journée, je pense, où on va vraiment filmer plus ou moins la plupart des attractions, parce qu'après il faudrait qu'on profite quand même. Devant le château. Et bah c'est marrant parce que le château il est complètement différent du nôtre. Pour le coup il est très axé médiéval. Je trouve vraiment magnifique. Je sais pas s'il est vraiment plus grand que le nôtre en fait. C'est assez minime, je vois pas une si grosse différence au niveau de la taille. Je le voyais beaucoup plus grand et au final il est pratiquement de la même taille, vraiment un poil plus grand que le nôtre, mais c'est vraiment la dernière pointe qui fait la différence. Mais sinon au niveau de la taille c'est vraiment comme le nôtre. Et la place est quand même assez différente, c'est très 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 verduré, regardez. C'est très médiéval. Très médiéval, le château, ouais. Ça change du nôtre. Ouais. Parce que là vraiment c'est un côté ultra médiéval. C'est quoi. Ça, et puis les parterres sont très florales. Il y a beaucoup de verdure par contre, en fait. J'adore les fleurs roses, elles sont. C'est génial bien. En fait. Ça c'est magnifique. Hein. Non, et non, du non coup, c'est un vrai comme je l'ai dit, on a un petit fast-pass à 11h20, on va sûrement aller faire Haunted Mansion avant.
Non mais je vais dying sur place là. Ah oui là, oh, direct Haunted Mansion, ça va être... Eh, mais j'adore et je trouve que ça me va à merveille. Ouais, moi aussi je vais l'acheter parce qu'en fait il y avait une casquette, elle était très très belle. Par contre les casquettes ça me va bof bof et du coup ça... Bah, regardez ça mon outfit du jour, j'ai mis ma sacoche. Hop, first day. Oui. Lords and ladies, princes and princesses, come one, come all, to the Royal Friendship Fair! C'était magnifique comme spectacle, vraiment les costumes sont merveilleux et tout. Surtout que tous les personnages sont animés et tout, c'est dingue. Ça rend ouf parce qu'en fait, par exemple, Daisy quand elle parle, son bec il bouge. Ouais. Mini et Mickey, leur pipi elle bouge. Ouais, enfin, c'est ça magnifique. Fait trop bizarre là. C'est trop c'est chou. C'est génial. Il y a des feux d'artifice de jour. Il y a eu un feu d'artifice quoi, trop ouf, magnifique. C'est trop beau, tout est incroyable. C'est incroyable. On est en plein rêve là, c'est fantastique, franchement. Sublime. J'ai pas les mots. C'est émouvant. Ça y est, on vient de regarder la petite parade des Mickey 90 ans. C'était très très cool, d'ailleurs ça change de la France parce que nous on n'a pas vraiment de parade, on a des spectacles qui se déroulent au Walt Disney Studio du coup, mais c'était vraiment très sympa, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a en Californie avec je crois la Sensational Parade, en tout cas dans l'ambiance c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est très rythmé, c'est très dancial, il y a des beaux chars très colorés, non c'est vraiment très cool, et j'ai fait l'acquisition du coup la casquette Mouse Keeper, trop belle. Regardez, du coup là je suis vraiment en mode Mickey Mouse aujourd'hui, ouais, c'est trop beau, j'ai un outfit Mickey génial. Et c'est parti, du coup on va aller faire l'attraction La Petite Sirène, qui est dans 10 minutes, le fast-pass commence dans 10 minutes, donc on va y aller, c'est parti. J'ai encore acheté un truc. Elle n'arrête pas. Non, mais oh. Moi je vais faire mes courses personnellement ce soir parce qu'après... J'ai encore dépensé. Oh là là, ça n'arrête pas. Alors Liberty Square, par contre c'est un land que nous n'avons absolument pas. Enfin, c'est un quartier en tout cas. C'est magnifique, ça fait très... ça fait à la fois Nouvelle-Orléans et Port Bay Club, quoi. Un peu le Newport Bay Club. Enfin, j'adore, c'est vraiment génial, c'est une ambiance qui est assez unique. Hein. Oh, regardez cette vue. Oh là là! J'aime trop. Puis en plus, les allées sont très espacées, tu vois. Il n'y a pas de... C'est pas tout serré. Se balader tranquillement, c'est vraiment cool. Oh là là, c'est beau cet arbre. Je suis toujours en mode. Oh. Regardez les enfants. Ah, mais il y a de la queue. Oh my god. Le voici. Le fameux Haunted Mansion.
Et le même Hanto Mori, la nouvelle boutique qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps. Désolé les toons, j'ai pas réussi à m'en empêcher. C'est trop cool. Ah oui, 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 ça c'est sûr, ça c'est un instant fait. Waouh! Trop cool! J'aime trop ça, c'est trop bien. C'est un Dumbogi. Dumbogi. 19$, ça va? Moi j'aime bien ça pour ma petite déco de la maison. J'aime trop, il y a des chaussettes en oh, trop cool. Ah! Oh! C'est trop cool! Ah mais c'est génial, regardez! Mais non, mais c'est trop génial! Mais attends, y'a quelqu'un là? Y'a quelqu'un dans le miroir? Enfin, c'est pas moi, hein. je sais pas si on le voit à la caméra, mais y'a quelque chose qui apparaît. Non, mais y'a Ryota qui apparaît, faut attendre un peu. Mais là, on va vite faire un truc. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est toujours là, ça, mais en fait, elle va apparaître. Faut attendre un peu. Transition directe dans le New Fantasyland. Très sympa. Et du coup, on va aller faire Ariel. Je l'ai dû vous le dire 10 000 fois, mais c'est pas grave. C'est fou parce que, comme je l'ai dit, c'est pas totalement le même thème. On a Fleur Magique qui est ici. Qui n'est pas du tout la même tête que le nôtre. Ah, ça n'a pas la même tête, non. Les Américains, ils doivent se dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait, notre version à Discoveryland, ça n'a rien à voir. Voilà où ça devrait être placé. Voilà. Attendez, parce que du coup, je crois qu'on a des fast-pass. Ici. Français. Placer une carte sur un Magic Pan devant la borne tactile. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les fast-pass. Oui, donc comme je vous disais, la partie New Fantasyland va être un petit peu différente. C'est ça. C'est, en fait, c'est la toute nouvelle partie qu'ils ont construite il n'y a pas très longtemps. Donc là, on entre vraiment dans une nouvelle zone qui a été créée il n'y a pas très très longtemps, justement. Ça, c'est chouette. Ça, c'est le New Fantasyland. C'est le New Fantasyland, là. Oui, c'est marrant parce que leur Fantasyland est beaucoup moins rose. Oui, c'est parce ça. Parce que nous, c'est rose bonbon. C'est très rose et bleu. J'ai une explication à cela. C'est parce qu'en France, ils ont accentué encore plus les couleurs parce qu'il fait pas tout pas le temps très beau, ouais, c'est ça. Comparé à ici. Et ici, et ça se reflète tout seul. En fait, seul. C'est comme notre château, c'est ouais. Le seul qui est rose comme ça parce qu'il fallait contraster avec le mauvais temps et donner l'impression ouais. Que c'est toujours beau et flamboyant. On a une réservation voilà. Également pour 14h10 pour le restaurant juste en face. Be Your Guest. Be Your Guest. Le plus beau restaurant du parc. Ouais, je me demande ce qu'ils proposent. Ouais. Moi, je prendrais pas un gros truc, je pense que j'ai pas très faim non plus. Oui, pareil. Enfin, juste un truc simple, on verra ce qu'ils c'est proposent. C'est ça. Je sais pas s'ils proposent du fast-food. Et en face de nous, on a la petite les sirène. Les ballons, ils sont tellement beaux ici. C'est magnifique, c'est dingue. Non, mais oh là là, mais regardez ça. Attends, mais... Oui. C'est génial. J'adore, regardez la vue. Ici, du coup, on arrive enfin à Ariel. J'adore, je sais pas quoi vous dire et tout, c'est dingue. Vous savez pas à quel point. Quand vous êtes Disney fan, la sensation est triple, voire quadruplée, parce que tout vous paraît incroyable et vous redécouvrez Disney en fait. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable niveau expérience. Hein. Allez, c'est parti. On vous emmène tout de suite dans l'attraction Ariel and the Grotto quelque chose. Bon, Under the Sea quoi. Little Adventure.